batterie. Et ça te fait rire. J'ai demandé à une dizaine de familles dans la région où j'ai moi-même une maison, à savoir le Morbihan. Et moi qui avais dit qu'il ne pleuvrait pas. Donc j'ai demandé à une dizaine de familles, propriétaires de leur habitation, de me décrire et de me dire où trouver leur endroit rêvé dans le coin, où ils aimeraient que leur logement, leur maison, pour la plupart, soit d'un goût de baguette magique transportée. J'ai photographié ces gens-là, donc leur maison, les personnes habitant la maison, et puis par un jeu de montage d'images, de vibrations d'images, une collecte d'images, comme une espèce de grand poster de patchwork d'images, je me suis attelée à transporter cette maison dans un paysage reconstitué. Donc même les paysages qui ont été clairement identifiés, les lieux qui ont été clairement identifiés, les lieux rêvés, je les ai interprétés à ma manière. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai commencé à poser des questions. Et puis, je ne m'attendais pas forcément à ce que tout le monde m'annonce « j'aimerais habiter en bord de mer ». Je me dis « bon, pourquoi pas une vue sublime sur les collines boisées de l'arrière-pays morbihanais ». Mais ça n'a pas été le cas. Ça aurait pu l'être. Hein. Et puis, si je continue le projet, et puis si je contacte beaucoup plus de personnes, j'imagine vraiment que j'aurais une personne qui adorerait avoir vu sur le golfe de je ne sais pas quoi. Bon, le golfe, je veux dire, à trous. Et donc là, pour l'instant, moi, des 10 personnes que j'ai contactées, toutes, il s'agit du bord de mer. Oui, quand j'ai rencontré Paul la première fois, j'avais l'idée, mais je n'avais pas le dispositif. Donc, je suis arrivée un peu impressionnée, la bouche en cœur, en essayant de noyer un peu le poisson, en disant « j'aime beaucoup ce que vous faites, même si je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais j'aimerais vraiment le faire ». Je vais sortir une photo. Et l'idée du projet, il trouvait le projet intéressant. Après, c'était à moi de trouver la façon, mon écriture. Les premières idées que j'avais, en fait, c'était un montage Photoshop dans un cadre pas forcément déterminé. J'ai commencé par faire quelque chose comme ça. Voilà. Je me suis dit, bon, bah, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui s'approche de ce que j'ai envie de raconter. Petit à petit, c'est les vibrations de ces superpositions et de ces transparences, je les ai vraiment apprivoisées. J'ai trouvé que ça racontait quelque chose. Et je suis arrivée avec ces espèces d'ersatz d'images avec Paul. Je lui ai montré à la deuxième réunion. Je dis bah voilà ce que j'ai et tout. Et puis, il était content. Pour traduire encore mieux la frustration qui a été la mienne dans la recherche de mon terrain, ou en tout cas de mon lieu de vie ici dans le Morbihan, c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, finalement, j'arrive trop tard. J'arrive trop tard, donc, de fait, il n'y a quasiment plus rien pour mon budget, pour mes envies jusqu'au boutiste d'horizon sublime. Il n'y a plus rien, donc je dirais, mais comment parler de cette réalité qui me rattrape? Je me suis dit, ces gens-là qui ont rêvé cet endroit sublime où habiter, de toute façon,
si on pouvait accéder à ces endroits-là, ça voudrait dire que les constructions seraient toutes là et que c'est pour ça que j'ai inclus dans mon image des éléments d'urbanisme, des éléments, la ville, des espèces de poils à gratter, un petit caillou dans ta chaussure, tu te trimbales et puis hop, là, il y a un poteau électrique malheureusement. Un lampadaire, une affiche, toutes ces choses dont tu n'as absolument pas envie à côté de chez toi, mais malheureusement, ben voilà quoi, c'est comme ça, tu rêves trop tard. Ça va ? Ouais. Quand j'ai posé toutes ces questions et que je me suis aperçue que les endroits préférés des uns et des autres, c'était le bord de mer, en fait, finalement, à quoi je touchais, c'était vraiment la problématique de la loi littorale. Bah si, ah mais merde. Bon... Non, ce qui serait bien, c'est, tu vois, qu'on aille se balader une petite heure là-bas quand même. Je ne voudrais pas nous demander particulièrement de poser, parce que de toute façon, c'est pas exactement le type de temps. 80% de l'urbanisation dans le Morbihan étant littorale, et que la Bretagne, c'est quand même une région qui est assez, qui est relativement active, mais que la plus forte poussée démographique en Bretagne, c'est la région de Rennes, parce que de fait, il y a une grande agglomération, donc du travail, et puis le Morbihan. Et vous êtes où ? Vous êtes en Bordeaux, oui, vous êtes en zone MB, mais le problème, c'est que là, il y a ces cartes qui se greffent là-dessus. Mmh. Mmh. Et donc, ça prend le pas dessus. Vous pouvez imaginer que dans ces zones de fort aléa, tous les permis de construire sont gelés. Et que de plus, 80% de la population du Morbihan est en bord de mer. C'est important, en tout cas pour mon projet, de parler de cette fameuse contrainte. Donc c'est pas demain la veille que les maisons dans mes lieux idéaux vont pouvoir exister, je veux te le dire. Oui, bah en même temps, voilà quoi. Pointe du Gourec. Donc en fait, il faut peut-être suivre vers Saint-Colomban pour aller à la pointe du Gourec.